Munis-toi d'une boîte de crayons de couleur. Prends une règle. C'est à la règle que se mesure un événement. Les États-Unis obtiennent l'autorisation de survoler l'espace aérien pakistanais. Mesdames, messieurs, nous survolons actuellement le Pakistan. De votre hublot, vous pouvez admirer la mer. En échange de leur aide, les Américains séjournent dans le pays. Ils font des films, cadrent des photos. L'Occident rapporte dès le XVIIIe siècle des films, des carnets de voyage du Moyen-Orient. Aquarelle, capture d'écran, regarde dans ton iPhone. Mesdames, messieurs, vous apercevez par le hublot la protection de troupes américaines stationnées en mer, l'approvisionnement en carburant et le ravitaillement. Reporte-les sur la carte. Complète la légende. Utilise tes crayons de couleur. Pour leurs opérations sur le sol inconnu, les États-Unis acceptent aux bases militaires pakistanaises. Trace leurs emplacements. Les opérations sur le sol pakistanais étant menées par les Pakistanais, colorient la montagne en vert. Le Pakistan engage ses frais. Le fonds d'appui à la coalition les rembourse. Si on peut gommer le crayon de couleur, sache qu'une défense ne s'efface pas comme ça. La lutte contre le terrorisme est coûteuse. Tout le monde la paye cher. Recouvre de rouge les parties du territoire concernées à ton avis par le terrorisme. Mesdames, messieurs, continuez à admirer la mer. Nous survolons, mesdames, messieurs, nous passons rapidement, mais un coup d'œil superficiel suffit à constater que la carte a changé. Les civils pakistanais partagent cet avis. On ne leur a pas fourni crayon couleur. Maintenant, dessine la maison d'un déplacé des opérations militaires.